Eh bien, écoutez, maintenant, donc, c'est le K4000. Donc, qui, pour l'instant, ok, vous le voyez, fonctionne plutôt correctement. Il reçoit les alertes, l'écran fonctionne correctement. Donc le K4000, batterie de 4000 mAh. Petit rappel sur ce modèle, donc un 13 aussi à l'arrière, un 5 à l'avant, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, en Android 5.1, donc Lollipop, écran HD, 5 pouces. Bon, bref, j'en ai personnellement offert un, la personne est très contente parce que on peut l'utiliser plus d'une journée, prendre des photos et pas de soucis de ce côté-là. Donc, on laisse le grand frère mort ici. Il est vraiment mort. Hein, bref. Eh bien, je crains que pour monsieur K4000, ce soit un petit peu la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bah écoutez, on va essayer. Hein. Ils sont tous les deux, semble-t-il, très résistants. Donc là aussi, il y a le film, on le retire. Hein, c'est un test essai sans concession celui-ci. Hein. Un film qui tient très bien d'ailleurs. Hop. Eh bien écoutez, on peut espérer. Bref. Bon, bah là déjà, voilà, je bouge. Non, pas assez planté. Donc on y va. On va essayer de le planter un peu plus. Alors, semble-t-il que le K4000 résiste mieux. Parce que là, je prends, je tourne. Non, pas encore assez. Et eh bien, on continue. Parce que ça bouge, ça tombe. Donc, c'est que c'est pas assez planté. On est bien d'accord. Alors, on y va. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a des traces? Je me suis... Non, toujours rien sur l'écran. Vous le voyez, j'ai mis l'éclairage exprès. Chut, hop, on voit bien. On va quand même retourner un peu. On va pas le faire tout le temps au même endroit, parce que l'autre, il a cassé tout de suite. Donc lui, a priori, pour l'instant, il résiste. Est-ce que ça tient? Non, pas encore. Pas assez planté. Allez, on y va. On continue. Toujours pas de traces. Alors, bon, ça commence à avoir du mal à planter. Il faudrait que je tape plus fort. Alors, c'est peut-être du sapin vraiment très dur, hein, celui-là. Bref. Enfin bon, depuis le temps que je tape, en tout cas, il ne s'est pas du tout esquinté. On va essuyer pour montrer l'écran.
Essayer d'avoir les éclairages. Voilà. Alors, on va le tourner. Il y a quelques petits impacts ici. On les voit pas beaucoup, hein, parce que même à l'œil nu, ça ne se voit pas très bien. Bref, on va quand même continuer sur celui-ci. Tiens, et si on essayait un peu avec la bordure en métal? Alors voilà, là le marteau s'est vraiment planté, hein, il n'y a pas de problème. On va essayer de traverser. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, vous les voyez là. Mais très très honnêtement, je tape très fort. Et ça résiste plutôt pas mal là. Vous les voyez. Mais écoutez, on va continuer à planter avec l'écran. Alors, est-ce que cet écran fonctionne toujours? Oui, celui-ci fonctionne toujours à la mode, donc des tests que l'on voit sur les vidéos réalisées par le fabricant. Et bah, écoutez, cet écran, il est clairement beaucoup plus résistant parce que, voilà, je vous le montre avec l'éclairage, pas d'impact, pas d'impact. Est-ce que la coque arrière est assez résistante? La coque arrière, c'est du plastique, un caoutchouté. Je ne sais pas si vous les voyez parce qu'avec le noir, ça, voilà ici. Quelques petits impacts. Bref, on continue. Ah ben écoutez, il est bien planté là, hein, ce coup-là. Et vous voyez que là, j'ai tapé fort. J'ai tapé de la même façon avec les deux. L'écran de 5,5 n'a pas résisté. Et l'écran donc du K4000 a parfaitement résisté. Donc, le K4000, il est reçu comme un super smartphone marteau. Parce qu'il n'y a pas de problème, on a bien planté le clou. Mais par contre, son grand frère, eh bien, je ne sais pas comment dire les choses, mais lui, il n'a clairement pas du tout résisté. Et qui plus est, il ne fonctionne plus du tout. La dalle tactile est complètement HS. Et le résultat est là. Un a résisté, l'autre pas. Lui, sachant que pour l'instant, on a planté des clous, l'écran s'est pas esquinté. Je ne vais pas y aller à coups de marteau parce que je sais de toute manière, il y a un moment où ça casse. Donc c'est pas très utile. Mais simplement, donc, le plantage de clous sur du sapin a été efficace avec le K4000. Le K6000, lui, n'a pas du tout résisté. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, qu'elle vous a bien fait rire. Et n'hésitez pas donc pour nous mettre un pouce bleu, un commentaire, nous dire ce que vous pensez de ce que vous pensez donc de ces smartphones. Le K4000 a été testé et toujours testé d'ailleurs, puisque je le répète, moi je l'ai personnellement offert, moi testeur, et la personne en est vraiment très contente. Donc, il semblerait que ce K4000 soit vraiment beaucoup plus costaud que son
grand frère. Eh bien, écoutez, sur ce, on vous dit à bientôt. À plus et à ciao.